Nous sommes en 1974. Et cette année-là va sortir un des films les plus influents et surtout un des plus gores pour son époque. Massacre à la tronçonneuse. Ce film va rencontrer le succès, mais aussi les polémiques autour de lui. Les différentes suites sortiront dans les années 80, 90, et même des remakes feront leur apparition au début des années 2000. De nos jours, tout le monde connaît ce film. Mais savez-vous comment et pourquoi ce film a été créé? Et surtout, de quoi s'est-il inspiré? Tobe Hooper, le réalisateur du film, s'est inspiré de différents faits divers, absolument macabres, datant des années 50 et 60, ayant eu lieu dans le Wisconsin, aux États-Unis. Et tout cela sur le poids d'un seul homme, ayant commis ces actes abominables. Je vais maintenant vous raconter l'histoire de cet homme, dont les actes donnent encore froid dans le dos à l'Amérique tout entier. Il s'agit de Edward Gein. Edward Gein, né en 1906, et grandit dans une famille difficile, avec un père alcoolique et une mère très sévère, imposant obligatoirement à Edward et à son frère Henry une religion protestante, avec une vision très dure de la vie. La relation entre les parents est difficile, et le père, George, en vient même à battre sa femme Augusta, étant mère au foyer. Edward n'est pas très bon à l'école, et l'arrête très tôt, pour consacrer son temps à la ferme familiale située à Plainfield. Le 29 décembre 1945, sa mère décède. Il ne le supporte pas. Il la refuse. Son enfance difficile et la mort de sa mère sont les deux éléments déclencheurs qui vont faire de lui un monstre. Première réaction après le décès, se trouvant au cimetière où se trouve sa mère, il décide de déterrer tous les cadavres autour de cette dernière dans le but de se faire un habit uniquement constitué de peau d'être humain. Vous reconnaissez peut-être maintenant l'origine du masque dans le film de 1974. À la fin des années 50, deux femmes de la ville de Plainfield sont portées disparues. Grâce à un témoin oculaire, la police soupçonne Gein et se rend à sa ferme. Ce que les policiers vont découvrir vont les marquer à jamais. La ferme a tout l'air d'être normale. Mais au sous-sol se trouvent des cadavres, dont ceux des deux femmes. Il y a également des morceaux d'êtres humains amputés et des ossements. Edward Gein n'ira jamais en prison, par faute de moyens financiers, à cause de la ville de Plainfield. Il finira ses derniers jours dans un hôpital psychiatrique où il y trouvera la mort en 1984.